ce maquillage, c'était vraiment vraiment le maquillage que je voulais faire l'année dernière et du coup que j'ai pas pu faire vu que j'ai pas fini ma série Halloween. J'avais très 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 envie de le faire du coup. Au début, j'avais prévu pour le 31 et puis finalement, je me suis dit cette année que je ferais autre chose pour le 31. Et fun fact encore sur moi, à force d'avoir des fun facts, vous saurez plein de choses que plein de gens ne savaient pas jusque-là. Quand j'étais petite, donc moi j'avais pas de Monster High, j'avais pas de Bratz, on avait que des Barbie. Et moi je faisais vraiment la collection des Barbie, malgré moi un petit peu, mais en fait, disons que j'étais un petit peu pourri gâtée, qu'à chaque fois que je voulais quelque chose, ben, je finissais par l'avoir. Savoir que j'ai été élevée que par des adultes, par 7 adultes il me semble. Du coup forcément il y en avait toujours un qui me ramenait un cadeau, et j'ai fini avec une collection de 208 Barbie. Les Monster High c'est sorti beaucoup plus tard, et ou alors, en tout cas moi j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Et il y a quelques années, une dizaine d'années, donc j'étais déjà vieille, on squattait beaucoup dans un centre commercial avec ma meilleure amie où il y a un grand jouet club et ils avaient mis des Monster High en vitrine et c'est là que j'ai fait waouh, c'est beau. Du coup, à chaque fois qu'on y allait, on allait au jouet club et je disais je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux faire une collection de ça, nanana, et puis je me suis ravisée. Aujourd'hui, je me dis merci cerveau de t'être ravisé quand même et de ne pas avoir écouté la voix du mal. Parce que franchement, j'aurais dû les acheter, trouver de la place, ça aurait été des sous. Un jour, j'aurais voulu les revendre. Je pense que là, je les aurais revendus, genre peut-être. Mais à la fois, je me dis que j'irais peut-être m'acheter une Frankenstein quand même, parce que je la kiffe. Voilà. Donc je me suis évité une nouvelle collection comme ça. Mais en tout cas, c'est des poupées que j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Je la trouve vraiment trop classe. Voilà, pour ma petite vie, je vous laisse regarder la vidéo. Faire une voix off à 7h20 du matin, c'est aussi difficile que faire un maquillage à 8h30. Donc là, le maquillage a eu lieu à 8h30 du matin. J'ai oublié de cacher mes sourcils, j'ai fait juste après. Donc j'ai commencé par faire la forme de mes yeux pour éviter de mettre du verre dedans. Et je suis venue coller mes sourcils. Alors je ne les cache pas parce que le verre va être suffisamment opaque, mais sinon il faudra les cacher aussi. Et ensuite, je suis venue mélanger du fard vert foncé de la palette de chez Makeup Forever avec du fard blanc pour faire quelque chose d'un peu plus vert pastel, vert d'eau. Et je viens mettre partout sur mon visage et je vais tout de suite poudrer avec une poudre translucide. Avec un fard blanc, moi j'utilise le Taco de chez Sugar Pills. Je viens passer sur les zones de lumière et ensuite avec des fards verts. Alors je vais utiliser Arsenic aussi de chez Sugar Pills et il me semble que l'autre c'est Bitter Melon. Je viens passer un petit peu sur le contour. C'est assez léger parce que vraiment elle n'a pas trop de contour, hein. C'est une poupée. Mais je trouvais que c'était un peu plus intéressant de le faire quand même, surtout au niveau du nez parce qu'elle a un nez quasi inexistant sur le dessin en tout cas. Pour tout ce qui est très noir, je vais utiliser le Epic Ink de chez NYX. Du coup, je viens faire l'œil en faisant un gros liner qui sera son liner. Et puis, je vais venir faire le contour de son œil aussi en suivant à peu près le trait blanc que j'ai fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir des grands yeux de poupée, hein. Je viens faire l'intérieur de l'œil et je vais suivre simplement mon œil à moi, enfin l'orbite en gros. Je fais quelque chose d'arrondi. Pour les sourcils, j'utilise Granite de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'elle a les sourcils plutôt gris. Donc la teinte va très bien. Après, j'ai un petit peu galéré. Donc je l'ai fait au mieux, mais ce que je ferai à la fin du maquillage, après avoir fini les yeux, c'est que je vais les réajuster, je vais les faire un peu plus épais par rapport au fard à paupières tout simplement.
Pour les yeux, j'utilise en premier une base blanche de chez P. Louise pour faire vraiment accrocher le fard. Et pour le fard, je vais utiliser en premier le violet de chez Sugar Pills qui n'existe plus malheureusement. Et je vais venir tapoter tout simplement, mais un violet foncé ça va très bien, hein. Juste tapoter pour que ça fasse bien opaque. Et comme on l'aurait fait avec notre rat de cils, on vient faire son rat de cils. Ensuite, par-dessus, je vais utiliser la palette It's My Pleasure de chez Colourpop. Et par-dessus le violet, je vais passer la teinte Chiclete, qui est un violet aussi, mais un peu irisé. Et pour le rose, puisqu'elle a les paupières violettes et roses, en fait, je vais utiliser la teinte Kitten Fish de la même palette, que je vais venir dégrader dans le violet. Pour finir les yeux, je vais aussi utiliser la teinte Earthshine de la même palette à l'intérieur de l'œil et puis aussi tout en haut de la paupière, juste au-dessous justement du sourcil pour apporter un petit peu de luminosité. Elle, sur le dessin, on a l'impression qu'il y a une ombre, du coup je me suis dit que la highlighter ça pourrait être sympa. Juste pour avoir un effet de texture, parce que j'allais pas mettre une ombre, ça aurait fait bizarre. Je viens faire les petits cils du bas en essayant d'être au milieu par rapport au dessin. Je vais pas faire les cils du haut parce que l'année dernière quand j'avais fait la brat, j'ai trouvé ça vraiment très laid et puis très chiant à faire. Donc je préférais mettre des faux cils. Je dessine la pupille et ensuite je vais venir remplir les yeux. Donc d'un côté elle a l'œil bleu et de l'autre côté elle a l'œil vert. Pour le bleu je vais utiliser le bleu de la palette Make Up For Ever et pour le vert aussi d'ailleurs. Donc je remplis avec un tout petit pinceau et je vais venir poudrer directement à chaque étape. Comme ça je suis sûre que ça bouge pas. Donc je remplis tout en bleu, je viens poudrer. Et je vais faire tout pareil avec le blanc dans le reste de l'œil. Donc je passe tout en blanc avec le petit pinceau. Et je vais venir tout poudrer derrière. Pour rajouter de la dimension à l'œil, je vais venir avec deux bleus différents faire un petit peu d'ombre à l'intérieur. Et avec le fard gras blanc, je vais venir faire les zones de lumière qu'elle a. Donc elle a un petit rond et un petit genre de triangle. Donc je viens les reproduire tout simplement. Comme j'ai beaucoup poudré, il y a des zones où il y a le noir qui a pris un petit peu de blanc. Donc je repasse tout en noir et je ferai ça à chaque fois sur tous les, enfin, sur les deux yeux. Voilà, j'ai fait le vert exactement de la même manière et je viens mettre du crayon noir dans les muqueuses pour assombrir mon œil qu'on ne voit quasiment pas. Et je vais venir mettre aussi du mascara juste pour noircir les cils pour qu'on ne les voit pas non plus. Elle a une petite cicatrice sur la joue du côté de l'œil bleu que je viens reproduire en utilisant du fard gras gris et gris foncé. Donc avec le gris clair, je vais venir faire deux petits rectangles. Et avec le fard un peu plus foncé, je vais venir tout simplement faire tout le contour et faire la petite balafre. Comme à chaque fois, on vient poudrer avec la poudre translucide. Et j'ai décidé de passer un petit peu d'highlighter à l'intérieur pour donner un petit peu un côté métallique. Et je vais en mettre aussi sur le bout du nez parce qu'elle a de l'highlighter au bout du nez. Par contre, elle n'en a pas trop ailleurs, donc je vais vraiment concentrer sur le bout du nez.
pour les lèvres, je viens faire mon contour avec un crayon pour m'aider et je viens reproduire ses lèvres, c'est-à-dire la lèvre du bas est assez charnue, la lèvre du haut est un peu plus étirée sur le côté. Donc je viens reproduire ça et ensuite je vais tout remplir avec le American Doll de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire comme sur le dessin, c'est-à-dire un contour noir. J'ai commencé avec le liner de chez NYX aussi. Par contre, pour l'intérieur de la bouche, j'ai fini par passer sur le Weirdo de Jeffree Star. C'est un peu plus simple. Ça rentre mieux dans les ridules de la bouche. Et pour finir avec son petit reflet blanc sur les lèvres, j'utilise juste un fard gras et je viens faire trois petits traits comme elle a. Alors contrairement à la Bratz que tu avais fait l'année dernière, que je trouvais assez moche, faut dire, j'ai pas fait les cils au liner ici parce que je trouvais ça vraiment 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 très très laid dans ce make-up. Donc là j'ai juste mis des faux cils que j'ai coupés et que j'ai collés à moitié sur son œil à elle pour que ça reste... Voilà, un petit peu moins moche qu'avec des traits comme ça. Mais je trouve que c'est sympa comme ça, je me trouve très très belle, j'ai très envie d'aller au travail comme ça, mais bon, j'ai pas le droit. D'ailleurs, pour petite info, il est 10h01, je suis sur le maquillage depuis 8h30 et ça fait à peu près 1h30 que je ne respire pas à faire des petits traits comme ça. Et je travaille à midi, donc il faut que j'aille me démaquiller, je suis un petit peu triste. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain normalement si j'ai la motivation de faire le maquillage puisqu'il n'est pas encore fait celui de demain.